Quels sont les taux de prélèvement concernant une donation à une sœur, un neveu ou une nièce Les donations à une sœur, à un frère, à un neveu ou à une nièce sont fortement pénalisées sur le plan fiscal. Si vous souhaitez donner 100 000 euros à votre sœur préférée, sachez qu'il y aura des droits de donation qui peuvent se monter à environ 35 000 euros. Pour une donation à un neveu ou à une nièce, c'est pire puisque la somme due au fisc tourne autour de 50 000 euros. Alors comment éviter de tels prélèvements La première chose, c'est que la personne qui donne peut prendre à sa charge les droits de donation et c'est sur le plan mathématique et sur le plan fiscal très intéressant. Deuxièmement, il faut savoir que si vous n'avez pas d'enfant et que vous souhaitez favoriser et gratifier un neveu ou une nièce, vous pouvez profiter de l'abattement de 31 865 euros. Pour dons exceptionnels de somme d'argent et à concurrence de ce seuil, vous ne paierez aucun droit, ni vous, ni votre neveu ou votre nièce. Enfin, pour réduire la facture fiscale d'une donation à un tiers, pensez aussi à l'assurance-vie. Non seulement vous allez conserver le contrôle sur votre capital de votre vivant, mais ensuite la fiscalité ne, sera, ne dépassera jamais 31,25% et sera égale à zéro à hauteur de 152 500 euros, par bénéficiaire. Toute transmission à un proche qui, qui n'est pas vos descendants directs doit être préparée longtemps à l'avance, anticiper ce type de transmission pour éviter un matraquage fiscal trop important.